جيسبر راكم ملاح، جيسبر راكم سافا، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. الوغ على بالي طولت عليكم على لا فيديو هذه تاع لا نوغولاسيون، مي الحمد لله دوكا راح نديرها. هذا وين لقيت روحي، كنت بزاف اوكيبي. ان شاء الله تكونوا فهمتوا لي كور اللي فاتوا من لي فيديو اللي درتهم. دوكا قبل ما نبداو ما تنساوش تابوني لا شان يوتيوب، واذا عندكم دي كيسيون خلو لي في لي كومونتير. اذا تحقوا لي كور عندي لاباج انستغرام فيها لي كور اي لي ريزومي تاع كامل لي موديول. دوكا نبداو بسم الله. Alors, هذا c'est un petit rappel les conséquences de la gastrulation. Le germe tridermique, il est recouvert par quoi? Par l'ectoderme, c'est le feuillet externe. Neurectoderme et l'épiderme, d'accord? Donc le neurectoderme winjel, la partie dorsale milfoq. Médio, ou chmenta, au milieu, d'accord? Et de l'épiderme latéro-ventral. Hada c'est l'épiderme, hada les en pointillé, le bleu clair. Jai latéro-ventral, alash, haïlik, les côtés latéraux. Et la partie miltet ventrale aussi, d'accord? La symétrie bilatérale, morphologiquement visible, germe légèrement allongé dans le sens antéro-postérieur. Donc, ikoun allongé dans le sens antéro-postérieur, d'accord? Donc voilà la partie postérieure, winkain hadi la fonte blastoporale, et la partie antérieure, lijaya mlor. Formation d'une nouvelle cavité interne, c'est l'archentéron. Voilà. Alors, il est de la cavité, hadi. Attention, troulou hadi aliha, c'est une cavité. Non, non, hadi meshi cavité. Hein. Alors, hadi, c'est l'espace entre le neurectoblast, haulik, et le matériel chordal. D'accord? Hadi, c'est une cavité. Hadi meshi cavité. D'accord. Alors, je vous montre ce schéma. Hadi, c'est une vue externe postérieure et de profil gauche. D'accord? Je vous vue postérieure. Hadi, c'est une vue postérieure externe de profil gauche. Parce que là, le côté gauche, là, je vous montre la fente blastoporale. Hadi, c'est le neurectoderme. Hadi, elle est en bleu foncé. Hadi, هادي سي لا كريت نورال و هادا سي ليبيبلاست. بور هاد الشيما هنا واش رانا نشوفو؟ هنا رانا نشوفو اون كوب ساجيتال، اما هادي سي اون كوب ترانسفيرسال. داكور؟ الوغ شوفو معايا هنا، هادا سي لو نوريكتوديرم بيان لو نوريكتوبلاست، هادا سي ليبيبلاست، هادي سي لا كريت نورال. Hada c'est le matériel chordal ou hada c'est le matériel précordal. Hada l'endoblaste non pharyngien, l'endoblaste pharyngien. Hana pour le mésoblaste, hada li rahou en rose. Nqoulou le mésoblaste dorsal li rahou menna parce que jay min jihet le dos, le mésoblaste ventral parce que rahou jay min jihet le ventre. Alors choufou hnaya pour la coupe transversale de gastrula AG. Hada li rahou au milieu, c'est le matériel chordal. Le mésoblaste, choufou hnaya li rahou d'ailleurs aimé par deux lames. Lames hamlek hadouma, les deux, nqoulou lhom lame. Wchno lame mésoblastique. Koum choufouhom jour hakda. Yak. Donc hada le mésoblaste ando deux lames mésoblastiques. Il est aimé par deux lames mésoplastiques. L'endoblaste non pharyngien, tenit andou deux lames, ou chenroululhom, les deux lames endoblastiques. Donc, hadaya le neurectoderme, la crête neurale et l'épiderme. Le dos, le ventre, région postérieure, région antérieure. Dos, ventre, hadiliran en choufoufiha, région postérieure, l'imlor, région antérieure. C'est la même chose, alors, dos, ventre, région hadi postérieure, l'imlor, région antérieure. Hadatanit, dos, ventre, région postérieure, région antérieure. J'espère que nous fâmes tout hadiat les régions et tout. Parce que, facilite helkom bzaf.
يعني à chaque fois نعاود باش ما تتخلط لكمش. كوم اون انفورماسيون دوك باسكو هنا دوكا رانا في لو رابيل مي شوفوا هنايا شتو هادو لي دو لام وقتاش نعرفوا بلي لا نورولاسيون بدات كي تصرا اون ريونيون ما بيناتهم دونك تكون لا نورولاسيون بدات هادي هي يولو متلاصقين هادو لي دو لام ميزوبلاستيك وتحكم توت لا بارتي فونترال هاي ليك لا بارتي فونترال هنايا. Alors, je vous montre ce schéma. C'est un résumé de tous les chapitres que nous avons. Mnikon un zygote, hâte yuli un adulte. Alors, je vous montre. Hna tsara qui mnikon l'accouplement. Après yuli un embryon. Après ça, la segmentation qui compte stade blastula. Après naya la gastrulation, le stade. On coche blastoporal, après stade fer à cheval, après stade bouchon vitellin, après stade fonte blastoporale. D'accord? Après, on a eu la neurulation. Il est clair que nous avons la neurulation. Après, l'organogenèse. Après, on a un adulte. D'accord? Alors, nous avons les différents stades. La segmentation, la gastrulation et la neurulation. Là, c'est un petit rappel. Alors, la segmentation, qui est 8 blastomères, il y a les micromères qui sont dans le pôle animal, les macromères qui sont dans le pôle végétatif. Après, il y a des plans de clivage, où il y a 8, il y a 16, etc. D'accord? La deuxième, c'est la gastrulation. Alors là, c'est un stade, c'est le stade d'encoche blastoporale, chauffeau, hada l'encoche. Après le stade fer à cheval, où là, il y a deux encoches latérales, chauffeau. Après stade bouchon vitellin et le stade de fonte blastoporale. La dernière, il y a la neurulation, les rahnqrawha dukka. Les différents stades différents. Alors, stade plaque neurale, stade gouttière neurale et stade tube neural. La définition de la neurulation. Alors, c'est quoi la neurulation? Quelque chose de nerveux. D'accord? Alors, correspond à la mise en place de tubes neurales qui se forment à partir du neuroectoderme. Alors, tu mets le tube neural à partir de quoi? À partir de neuroectoderme. Ou est-ce babesh? Il check le tube neural. Sous l'influence de la corde. Elle a déjà la corde. Alors, la corde a un rôle de soutien et permet d'orienter le tube neural. D'accord? Tu mets l'orientation de le tube neural. La ceinture li check d'eau. D'accord? Ou t'orienter. Donc, elle a un rôle de soutien et permet d'orienter le tube neural. Et le tube neural, qui va donner la moelle épinière, le cerveau, le cervelet. D'accord? Donc, on va chauffer les fonctions de tableau de détails. On va chauffer le germe, le neurula. On va chauffer les différents aspects. Aspect morphologique externe et aspect morphologique interne. Les trois feuillets embryonnaires d'Yalou. Donc, le feuillet externe, le feuillet interne et le feuillet moyen. Hajjaloula, on va voir l'aspect morphologique externe, le feuillet externe, parce que là, le feuillet externe, le neurula, il coûte le germe. Ma kench feuillet interne ou le feuillet moyen, il coûte à l'intérieur du germe. Mais, gastrula, mais donc le neurula kayen ghir à l'extérieur, d'accord? Tman choufou aspect morphologique externe. On bad choufou aspect morphologique en vue interne, la coupe transversale et la coupe sagittale, d'accord? Ou on choufou tanik naoud on choufou l'ectoderme en vue interne. On choufou tanit le cordon mésoblaste,
يعني لو فو اي موان اون كوب ترانسفيرسال اي اون كوب ساجيتال ونشوفو لون دو دار اللي هو فوي انترن اون كوب ترانسفيرسال اي اون كوب ساجيتال. الوغ اليوم في لا فيديو هادي راح نديرو غير لاسبي مورفولوجيك اكسترن تاع واش تاع لو فوي اكسترن. داكور دونك نبداو بسم الله. الوغ لاسبي مورفولوجيك اكسترن ايفولوسيون دو نو ريكتودرم ايفولوسيون دو ليبيدرم. قلنا بلي كاين 3 ستاد تاع لا نورولاسيون، ستاد بلاك نورال، ستاد دوزيام لا غوتيير نورال اي لو ترويزيام ستاد لو تيوب نورال. الوغ بسم الله نبداو بلو ستاد بلاك نورال. الحاجة اللي لازم نقولها لكم في لو نورولا باش تعرفوا بلي شتو كي كان لو نوريكتوديرم يكون في لافاس تاعو دورسال. داكوغ دونك حنا راح ندرسو لافاس دورسال، نشوفو لو جرم من الفوق يعني من جهة تاع لو دو كيما كنا نشوفو. الوغ كي كان نجيو هنا نديرو كولوراسيون هذا راح يكون بالبلو فونسي باسكو هذا سي لو نوريكتوديرم، هادي سي لا كريت نورال داكوغ، وهذا لو ليبيبلاست ولا ليبيدرم يكون en bleu clair. Alors, nous allons dire le nom. La région de neurectoderme dorsale. D'accord ? Dorsale, on a vu ça. S'épaissit, se soulève et s'élargit en raquette. Je touche à l'eau. Alors, à l'eau, il y a la face dorsale. S'épaissit, tout l'irchina. Tout l'irchina. La crête neurale, tout l'irchina. Ou tout les sous forme d'une raquette de tennis, ta fou raquette de tennis, ay tout les tchibbeh la, d'accord? Ouin tout les arayda tanit, arayda, parce que qu'elle est élargie, la région céphalique. J'tou ouin tkoun arayda, hadi ki hiya la région céphalique. Ouin tkoun rqiqa, nqoulou l'ha la région caudale, d'accord? Donc, ouin tkoun arayda, la région céphalique, ouin tkoun rqiqa, la région caudale. Alors, هادي واش نقولوا لها؟ نقولوا لها la plaque neurale. Alors, هادي la plaque neurale, elle est reliée à l'épiderme. On a l'épiderme هذا اللي جاي بالبلو كلار normalement. Alors, la plaque neurale تكون reliée معاه par quoi؟ Par les crêtes neurales هذوما اللي يكونوا en noir. D'accord؟ هاد les crêtes neurales واش يصالهم؟ épaissi. يخشانو. Et l'urchène, donc la crête neurale ou l'urchène, formant les bourrelets médulaires. Donc, la crête ou l'urchène, on a dit les bourrelets médulaires, mais on a dit la crête neurale. La neurulation, on a dit la crête neurale, on a dit les bourrelets médulaires. D'accord? Donc, c'est la plaque neurale, c'est les bourrelets médulaires, ou c'est l'épiblaste, ou bien l'épiderme. D'accord? C'est le petit schéma, comme en couleur. La région antérieure, la région postérieure, ou je connais, ou une con arrêta céphalique, ou une con arrêta région caudale. Hadi, c'est la plaque neurale et l'épiblast, les raho en bleu clair. Je fous le titre. La plaque neurale en vue externe dorsale. Parce que là, on a choufouham en vue externe dorsale, donc c'est normal. D'accord? Le deuxième stade, les roues stade gouttière neurale. Alors, où est-ce que le stade? Alors, chauffez-vous, comme tu vois, les bourrelets médulaires, d'accord? Où est-ce que les bourrelets médulaires se soulèvent et vont à la rencontre l'un de l'autre dans le plan sagittal, d'accord? La plaque neurale s'enfonce à l'intérieur. Où est-ce que la plaque neurale? Tu peux être le dachl. تبدا تدخل على الداخل دو لومبريون اي سو كروز بروغريسيفمون. دونك ا شاك فوا راهي تدخل يصرى لها ان كرو عمليك داكور اون اون ديبرسيون اون فورم دو او ابيلي غوتيير نورال. داكور دونك هادي يعني اللي تصرى لها هاد لو كرو ولا لا ديبرسيون اللي تصرى لها واسمها لا غوتيير نورال. Alors, où est-ce que donc on a fait le stade gouttière neurale, les bourrelets médulaires se soulèvent ou حكشوا لي جراحين يتلاقاو ويتشكل لنا هذا l'orifice céphalique et l'orifice caudal. Orifice هذا.
deuxième stade, c'est le stade tube neural. Où je vais qu'on le stade tube neural, les bourreaux les médullaires se rapprochent. Donc, yqtarbou, kima qulna, kima arfna. Donc, rapprochent et fusionnent. Yitlasqou, nyak. Dans la région médio-dorsale. Où je m'entends médio-dorsale? M'entra? Non, médio-dorsale. Milfok, le dos, médio, yani au milieu. Puis, caudal, haïlek, caudal, non, je mets ta caudal, menta postérieur. Après, la région céphalique, les hiel l'khra, menta antérieur, hiel l'khra li t'tghlaq. D'accord? Alors, les bourrelets médulaires associés au neuroectoderme s'enfoncent à l'intérieur de germes dans la région moyenne, puis postérieure, puis céphalique. Yani postérieure, yani caudale, puis céphalique, yani antérieure. Alors, le tube neural, médio-dorsal, est formé par quoi? Est formé par l'orifice céphalique du tube neural et le neuroport antérieur, l'orifice caudal et le neuroport postérieur. Alors, l'orifice céphalique du tube neural, c'est le neuroport antérieur. On roule aussi le neuroport antérieur. Et l'orifice caudal, on roule le neuroport postérieur. D'accord? Alors, le tube neural s'isole après la fermeture de deux neuroports, le postérieur avant l'antérieur. Parce que la caudale est très céphalique. Alors, si vous avez les deux orifices. Alors, lorsque les deux orifices se ferment, le stade tube neural est formé. D'accord? Donc, c'est le stade tube neural qui est les deux orifices. D'accord? Donc, je vous ai le schéma. Le tube neural, par transparence. Alors, le tube neural, la réalité, mais bench. Le problème, mais bench. Elle est bien par transparence, d'accord? Mais il ben a pas de problème. Voilà. Rasmine, on a fait schéma. Donc, il y a un examen où il y a un tube neural par transparence. Alors, le titre, tube neural en vue externe dorsale. D'accord? Alors, à la fin de la neurulation, le germe est allongé dans le sens antéro-postérieur. Donc, il est toile. Le sens wesh antéro-postérieur. D'accord? Donc, avec le sens postérieur, le sens antérieur. bon, je vous dis que il y a trois stades. D'accord? Qui daruna fil polycope, qui te boubli kain trois stades. Mais il y a en réalité kain quatre stades, qu'altena le prof. Bourgeon caudal, ou est le quatrième. Donc, hada c'est le stade bourgeon caudal. Où chi koun, y koun mgattayir blépiderme, ou bien l'épiblast. D'accord? Mais koun kain hta feuillé al barra, à la fin de la neurulation. Rir l'épiblast, li ou est l'épiderme, l'jild, à la fin. Voilà. Donc, hada c'est le stade bourgeon caudal en vue externe dorsale. Alors, chouffou la différence entre hada ou hada. Alors, hada n'gouloulou, jeune bourgeon caudal ou hada bourgeon caudal âgé. Ou alash âgé? Parce que le que, hada le que. Qui chouffou had le que t'gouloulou, bourgeon caudal âgé. Idem a kanj kain le que t'gouloulou, jeune bourgeon caudal. D'accord? Alors, kindelo haka, c'est une coupe transversale. Kindelo haka, c'est une coupe sagittale. Alors, où je fais la vidéo, je fais l'aspect morphologique externe, yani l'évolution telle le neuroectoderme et l'évolution telle l'épiderme, les quatre stades, d'accord? Stade plaque neurale, stade la gouttière neurale, et stade le tube neural, et le stade bourgeon caudal, d'accord? Donc, la prochaine fois, Inch'Allah, nous allons voir l'aspect morphologique interne. Les trois feuillets embryonnaires, la coupe sagittale et la coupe transversale.